Ok. Alors, suite du programme. Hop, ça, on a vu. Si. Ok. Alors, ça c'est fait. Ça c'est bon. Ça aussi. Ça c'est fait. Tac. Voilà. Donc l'apprentissage des outils informatiques. Donc, vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire là dans les formations musicales? Ben, c'est qu'en fait, certains ont vraiment, vraiment du mal avec l'informatique. Quand je dis informatique, je ne parle pas de programmation, de création de sites, ce genre de choses. Hein. C'est pas le domaine qui vous intéresse. Enfin, en tout cas, bon, enfin, pas dans cette école d'harmonica, en tout cas, on n'est pas là pour ça. Mais c'est d'apprendre à utiliser les outils de base qui vous permettent de, bah, par exemple, d'accéder à ces agora ou d'accéder aux ateliers, ou d'envoyer un email, ou d'envoyer une pièce jointe dans un email, ou de partager des choses, ou d'aller sur la chaîne YouTube, poster un commentaire, cliquer sur j'aime, ou partager les vidéos. Donc il y en a qui savent faire ça facilement, parce qu'ils ont l'habitude de le faire, et puis d'autres ont vraiment du mal avec ça, quoi. Et j'ai remarqué que souvent, certains me disent, bah, moi j'aimerais bien prendre vos cours, mais j'y connais rien, j'y comprends rien, je suis complètement perdu. Déjà, quand j'ouvre l'ordinateur, c'est déjà la panique, et c'est déjà bien beau que j'ai un ordinateur, mais avant, j'en voulais même pas, parce que moi, ça me fait peur, ou ça me panique complètement. Donc, je me dis, si vous avez vraiment des difficultés avec ça, dites-le moi. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour m'en parler. Et moi, je vous ferai une formation là-dessus. Donc, quand vous allez, je vais vous remettre le lien dans la fenêtre de discussion. Quand vous arrivez sur ce lien, donc, attendez, je partage l'écran pour que vous puissiez voir. Tac, voilà. Donc, vous arrivez sur une petite enquête. Donc là, ce n'est pas 19 questions, c'est vraiment très court. Et ça me permet, moi, de savoir où vous en êtes au niveau informatique. Et si vous avez besoin d'une petite formation, vous indiquez vos coordonnées, vous indiquez ce que vous savez déjà faire. Et puis ensuite, vous avez une petite zone de commentaires en me disant, voilà, ce que vous ne savez pas du tout faire en informatique et que vous voulez absolument apprendre à faire parce que ça vous bloque. Et voilà. Et donc, vous m'envoyez tout ça. Enfin, vous cliquez sur page suivante et vous validez vos réponses. Et puis moi, à la fin du mois de février, ben, je regarderai dans une semaine. Je regarderai toutes les réponses que vous avez indiquées et je vous dirai à quel moment j'aurai lancé la formation, mais je vais faire ça assez rapidement pour vous débloquer en fait. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de faire une formation complète sur l'informatique, c'est vraiment pas l'intérêt, mais c'est de vous permettre d'accéder au moins bah, aux Agora, à la chaîne YouTube, enfin pouvoir communiquer ensemble sans que vous soyez paniqué, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Okay.